En matière d'automobile, on reconnaît tous que BMW sait faire beaucoup de choses. Mais ce qu'elle fait de mieux jusque-là est incarné par la série 7, une limousine emblématique qui aujourd'hui se renouvelle et ne fait pas les choses à moitié. Esthétiquement d'abord, la série 7 s'apparente désormais au X7, le nouveau gros SUV signé BMW. Au niveau de la partie arrière, les feux deviennent plus fins et sont reliés par une baguette chromée soulignée par un bandeau lumineux. L'ensemble donne un rendu particulièrement réussi. Mais le changement le plus flagrant que l'on découvre est bien entendu cette calandre qui grandit de 40% et oblige le capot de prendre 5 cm de hauteur. Résultat, une face avant beaucoup plus imposante, beaucoup plus statutaire. En fait, c'est bien la volonté des clients BMW qui a été considérée, comme nous l'explique Jean-Michel Juchet. Alors la calandre, effectivement, on l'a vu, c'est largement développé parmi les différents éléments d'évolution du design de la série 7. Et c'est en fait correspond à la demande de notre clientèle dans de très nombreux marchés. Hein, on se rappellera que le premier marché de la série 7 est la Chine, suivi des États-Unis, des marchés comme la Russie, les pays du Golfe. Et nous réalisons chaque année en fait une étude auprès de notre clientèle dans tous les marchés du monde qui nous sert à alimenter le cahier des charges et les réflexions pour faire évoluer nos produits. Donc très clairement, la nouvelle calandre de la série 7 revêt un aspect plus statutaire, plus imposant, mais c'est bien aussi ce que nous demande notre clientèle. À bord, les principales évolutions sont à chercher du côté de la technologie embarquée. La limousine bavaroise se met dans l'air du temps avec une dalle numérique de 12 pouces face au conducteur et avec un écran central de 10 pouces, tactile et compatible avec les commandes gestuelles que l'on connaît chez BMW. D'autres nouveautés débarquent enfin, comme le chargeur par induction ou encore l'assistant personnel qui, d'un simple « Bonjour BMW », interagit facilement avec le conducteur. Au volant, comme aux places arrière, le confort et l'insonorité à bord montent d'un cran. La limousine se transforme en un véritable tapis roulant qui se conduit tout seul ou presque grâce à la conduite semi-autonome proposée de série et que nous avons expérimenté et tenté de pousser à l'extrême, évidemment sur des routes bien tracées. Le luxe et le raffinement n'en parlant pas, ils sont omniprésents. Boiserie, cuir nappa, alcantara, on en trouve partout. Sous le capot, le choix de motorisation reste toujours vaste, dont une version hybride rechargeable que nous avons eu l'occasion d'essayer. Il s'agit de la 745E qui remplace la 730E. Le 4 cylindres cède la place à un 6 cylindres 3 litres. Résultat, la puissance cumulée passe de 326 à 394 chevaux. Du coup, le 0 à 100 km/h est une formalité pliée en 5 secondes 1. Avec sa série 7 restylée, BMW confirme une fois de plus qu'elle sait faire des voitures agiles et précises. La limousine de plus de 2 tonnes nous a bluffé par son moteur plein à tous les régimes et par le sentiment de conduire une berline sportive. Elle existe même en version M760i, forte d'un V12 de 585 chevaux. Au final, cette nouvelle série 7 est époustouflante à tous les niveaux. Aucune limousine du marché ne peut lui faire face en termes d'agilité et de performance. Elle arrive chez nous dès la semaine prochaine, avec des versions diesel essentiellement, mais aussi en hybride. À très vite sur wanderloo.com.